Moi, ce qui m'importe, c'est dans une société déjà très compliquée, où on a déjà tellement de mal à transmettre des repères et des valeurs à nos enfants. Je considère... Ça veut dire que l'homosexualité est contraire à vos valeurs ? Non, pas du tout. Oui, elle est contraire. Oui, vous venez de dire, oui, elle est contraire à vos valeurs. Non, oui, bah oui, je comprends maintenant. Non, c'est pas parce du que tout. Moi, je vous parle de toutes les familles, justement. Monsieur Romero. C'est vous qui me parlez d'une Monsieur catégorie Romero. De femmes. Monsieur Romero, vous avez un lapsus assez révélateur. Monsieur Romero, est-ce que je peux vous répondre à vos valeurs ? Bah, oui. Je vais essayer de vous répondre sur les deux sujets. Dites-le. Ce qui est contre, ce qui est contre mes valeurs, oui, c'est qu'un enfant n'est pas un père et une mère. Oui, ça c'est contre mes valeurs. Alors qu'est-ce que vous dites aux familles monoparentales ? Mais qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous dites que vous on vous a jamais entendu depuis 1900 monsieur vous, Romero, vous êtes certes un jeune élu, mais vous avez été ministre depuis 1966, il y a la possibilité pour des célibataires d'adopter. Ça vous posait aucun problème avant, mais d'un seul coup, quand on veut donner des droits aux familles homosexuelles, à ses enfants, là d'un seul coup ça vous pose un problème.